de cet événement qui fait partie d'un événement plus large qui s'appelle les Journées franco-vietnamiennes de l'innovation et de présenter la France sous un nouveau jour, celui de l'innovation, de la technologie, de la créativité, de la création. Ça inclut aussi les médias numériques. Ils recrutent, ils ont des besoins en termes de talents, de ressources, c'est sur les questions de formation. C'est pour ça que nous avons souhaité faire cette opération-là spécifiquement à l'université OASEN, qui présente beaucoup d'atouts et de potentiel et qui est reconnue dans son département d'art et de design pour fournir parmi les meilleurs talents au Vietnam pour l'industrie.